Mais trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est. Salut les gars, on est parti pour la rando. Coucher de soleil derrière nous. Avec Axel, Florian qui est caméraman. Et puis voilà, on part tranquille, on va bientôt manger. Enfin bientôt. Ah c'est faim putain. On va faire bouffer. On fera le pré-apéro cette fois. Voilà. Ensuite, le pré-apéro. Parce que d'habitude l'apéro. Ensuite après le gueule. Il y a peut-être une étape en plus, non, t'es sûr? Allez. Allez, à plus. Il est 18h25. 1h30 qu'on est parti. Toujours le soleil. Dans une demi-heure, grand max, il n'y a plus de soleil. Voilà, on est qu'au début, la balade, là où la base, une des bases, qu'on va passer à côté. Et puis, voilà. On vient d'en bas, on va continuer tout doux et puis ensuite on va manger. On voit qu'il y a Axel qui s'impatiente. On a trouvé du plumeau sur des espèces de cannes. Là. Quand ça pleut, c'est rempli de flotte, on dirait ça. Puis on va tester au fire seal pour montrer à Florian. Waouh! Énorme! Bah, ça prend bien. Non. Après, faut ventiler. Parce que ça s'étouffe un peu. Faudra prendre le temps de bien les écarter pour que ça fasse un bon circuit d'air. Et puis voilà. C'est pas mal. C'est bien, j'adore. Si on a un feu à démarrer, on en prend un peu et puis bon, Elliot part en mode pyromane. Flo en pleine forme. Axel. Donc bon, voilà, je sais pas si vous verrez, il est 19h39. Et donc voilà, en face on a Écully, Champagne, Dardigny. Et puis là on est en haut du Mont Verdun, donc on a la base militaire dans notre dos. Ah putain de flash. Et qu'on verra pas, et puis de toute façon on n'a pas le droit de la filmer, donc je pourrais pas vous la montrer. Enfin bon, voilà, on est bien posé. Il y en a qui font mumuse avec leurs lampes. Hein. Et puis on va continuer, ensuite on a direction Montou. En passant sûrement par Polémieux pour éviter une difficulté. Bon, on verra même rien du tout, mais tout en bas là, c'est un mur en fait. Ça a été c'est une tranchée qui a été creusée pour enterrer des lignes de tension, donc on marche bon sous des lignes de tension, mais c'est pas grave. Et on vient de tout en bas d'un champ. On vient de se prendre là, je pense approximativement bien 100 mètres de dénivelé en 60-70 mètres de montée. Donc voilà. Coéquipier, vos impressions sur cette montée freeride? Je vous montrerai sur la carte hygiène arrivée là-haut, mais les courbes de niveau étaient ultra resserrées et c'est mon ami Florent qui a demandé un parcours freeride, donc je vais donner le parcours freeride. Nous voilà arrivés presque en haut du Montou. Ça a été dur, on a monté une grosse montée. Donc il est 20h30, on est arrivé beaucoup plus tôt que prévu au Montou. Donc la base, là voilà, c'est le point rouge, bon on vous montrera un peu plus parce qu'on n'est pas censé avoir le droit de filmer. Le Mont Cindre que vous ne verrez pas parce qu'il n'est pas allumé, mais il est tout là-bas, c'est une antenne télévision, radio, etc. On commence à voir Lyon, on voit pas exactement bien et tout, je vous montrerai la tour de la Part-Dieu une fois arrivé au Mont Cindre avec le crayon, Fourvière et Lyon quoi. Donc voilà, il y a Villeurbanne en bas. Là-bas il y a Axel qui fait mumuse avec ses lampes. Voilà. Belle vue, bien sympa. On pète la forme. Et bon, on a beau être à 600 mètres d'altitude, perché au milieu des monts entre toutes les villes, il y a toujours des bagnoles qui sont là pour casser un peu le délire, mais bon, là-bas on a des courageux vététistes. On a trouvé une carte. Donc ce qui a écrit, vas-y Flo, ouais, tu peux. Alors il y a écrit Belvédère au Montou, donc on est à 609 mètres d'altitude, on est au cœur du massif des Monts d'Or. Les Monts d'Or sont constitués de 7 monts.
Bon, après, voilà, je vous passe hein, mon Pal, mon Verdun, mon Tour, mon Arcel, mon La Roche, mon Cindre et la crête d'Albini. Et donc, voilà, le reste, on s'en fout, pour rester poli. Donc, voilà, on a Rérieux, Massieux, Parcieux, tous ces bouts, Bourg-en-Bresse, Villars-les-Dombes, ouais, en face, là-bas. Donc, vous voyez rien, parce que le téléphone s'affine pas dans le noir. Bon, non, là, c'est pas un mont, là. Alors, et donc du coup, voilà, on voit Bourg-en-Bresse de loin, enfin on voit, on est censé voir. Mais j'ai pas peur. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit la crête de la neige, enfin on voit quelques montagnes de là, genre les Monts d'Ain. Les Monts d'Ain, tiens, les Monts d'Ain, qui culminent à 1127 mètres. C'est bien, tu sais bien lire. Ici, merci. J'ai appris ça au CP. Donc, bon, bah voilà, la carte hygiène, attendez, on va éclairer un petit peu plus. Voilà. Oui, il y a du monde. Il y a du monde qui passe. Donc, je vais ici. Putain, ça filme bien maintenant. Je suis épaté. Donc là, c'était le Mont Verdun. Ici. Et là, on a descendu tout ça. Tac, 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 tac. Et arrivé à ce croisement-là, c'est une départementale. On a tracé dans le champ et dans la forêt la vidéo juste d'avant. Et on est arrivé en haut du Mont-Tout. Donc là, on va descendre et on va aller jusqu'au Mont Cindre ici. Et ensuite, bon, on vous montrera plus tard. Je pense qu'il y a des gens forts à viser dans la zone. Ensuite. Je pense qu'il y a une baisse. Ensuite, partie. Le Mont Blanc là-bas, qu'on ne verra pas vu qu'il fait nuit, mais qui culmine, bon, tout le monde le sait, à 4800. En fait, je vais me taire, je vais arrêter de parler, parce que je parle pour rien. Mais c'est pas grave, je suis surexcité, j'en peux plus là. Les 35 km, on va pouvoir faire. J'avoue, c'est trop marrant. Et donc, voilà, bah, après, les falaises du Moiran et Villeurbanne, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, là où on va aller d'ailleurs. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'est ici, c'est là où on va aller, et le Mont Cindre, il est là. Et pour l'instant on ne voit pas, mais il y a le Rhône et la basilique de Fourvière qu'on vous montrera arriver au Mont Cindre, parce que là-bas, là-bas, voilà, si j'éteins, on ne voit pas la basilique. Salut. Putain, mais ils sont tarés, on a... Bon, ok, d'accord, c'est bon. C'est qui a mis le commentaire avec l'extasie dans la vidéo? C'est Julien. Bon, bah voilà, Julien. Je consomme pas. En fait, on a tous consommé, on est tous à bloc. Allez. C'est génial. Non, c'est juste de l'adrénaline. Exactement. On est en pleine forme. Nous avons trouvé Dieu. Ah non, la lumière du jour. Ah non, la lumière de la nuit. Ah non, la lumière. Alors voilà, Axel, dans ses trouvailles, une technique pour pas refroidir. Et moi, regarde la mienne. Oh, elle est géniale. Vas-y, refais. Non, c'est pas au centre. Oui, c'est sûr. Excusez-moi. Hey, motherfucker. Wow. Non, je vais pas me faire Voilà, on vient de se descendre. Oups. Un truc à pic. Un truc en VTT que je prends deux jours. Et en fait, qui glissait beaucoup plus qu'on pensait. Donc on a fait ça sur le cul. De la balade, il est 22h16. Voilà, Lyon. Enfin, là, c'est pas encore tout à fait Lyon, mais avec la lignée de lampes là qu'on distingue ici, c'est la Saône. On a bien marché, on a bien les gens qui offrent. On est au point le plus éloigné de notre maison. Je sais plus, à vol d'oiseau, je crois qu'on est à 10 ou allez, je dirais 15 km à vol d'oiseau. Bon, vu que c'est moi, on va dire plus 10 km, hein, puisque moi j'agrandis toujours. Un peu marseillais, comme dit Flo. Ouais. Voilà, je vous laisse admirer. Puis on va se refaire un autre apéro et une autre pique-nique arrivant en haut du Mont Cindre, parce que c'est pas tout, mais ça donne faim de marcher au final. On a croisé un groupe de marcheurs tout à l'heure. Donc voilà. Et donc là, on va continuer tranquillou. Bon, on a trouvé ce qui semble être un vieux lavoir ou quelque chose comme ça. Ah bah non. Attends, je vous remets la lumière. Hop là. Je ne sais pas ce qu'il y a à droite. Je vais essayer de pas faire mon portable. Voilà. Et là-bas, c'est l'entrée du château. L'eau est bien propre. Là-bas. C'est sympa. C'est un château. Il n'y aura pas de... Exactement. 22h56. On va dire 23h. On est arrivé en haut du Mont Cindre. Donc voilà, on a la vue sur Lyon. Bon ben, on va entendre toutes les églises, la basilique de Fourvière là-bas qui sonne. Alors est-ce qu'on va la voir? Faut que je zoome au bon endroit. Voilà, on la verra pas bien, mais c'est ça. Le bout qui est tout en haut. Ouais. Voilà, basilique de Fourvière, on est en face de Lyon.
Donc on a l'autoroute, la Saône, le Rhône, on voit l'église de Vaise, le crayon de la Part-Dieu, que vous ne verrez pas, parce que il est tout éteint, il n'y a que le toit qui est allumé, et il y a un bâtiment à droite qui est coté en bleu. Il y en a toujours un qui est venu là pour foutre la merde sur la vidéo. Voilà. Il est fou, Felou, il est fou. Caporal, chef Florian. Non, sergent, c'est sergent chef Florian Aboran. Nous sommes en pause bouffe. Voilà, Florian qui vient de. Excellent. Il bouffe sa lampe. Ça, c'est tout. Puis moi, il y a mon sandwich qui est là. C'est le troisième. Et ensuite, il y a un sandwich au Nutella, le café. Et on se refait un autre apéro. Pendant qu'il y en a qui mangent au resto juste derrière nous. Et nous voilà arrivés au Mont Cindre. 469 mètres. Voilà, c'est ça. On la verra pas trop. Sauf si on met le spot. Bon, voilà, c'est une antenne télé. Hein. Ah, rien d'impressionnant. Mais c'est grâce à ça qu'on. C'est moi qui est impressionnant, rien. Je mets en valeur le tableau. Axel qui s'ennuie, qui attend toujours, qui s'ennuie de nous, en fait, j'ai l'impression. On a concours. Allez, les enfants. Allez, à plus. C'est parti. Il y a Florian à droite. Il y a Elliot. Il y a le panneau. Ah, il y a Axel qui part. Il fout le camp. Axel, reste ici. Tu sais que j'ai la carte, hein, c'est moi qui sais où on va. J'ai la carte, je dis, allez, tout droit, les gars. Allez, Axel, tout droit. Ouais. En ce moment même, il est minuit 30. On s'est, pour tout vous dire, on s'est perdu en fait. On est descendu du Mont Cindre. Voilà. D'après Axel, on a fait une boucle de plaisance. On était censé passer dans une forêt de chênes. Ils ont voulu accélérer. On a accéléré. On a suivi le rythme. On a fait de belles foulées. Et au final. Et ben on est atterri au Mont Cindre. Donc en fait on a fait deux boucles au Mont Cindre de à peu près 5 km. En gros on s'est rajouté 10 km de plus. Les amis, au lieu de faire 35, on s'est fait 45 bornes. Et on n'a pas fini. Là on est reparti pour Montverdun. C'est-à-dire longtemps en heure de marche. Là j'ai même plus envie de compter le nombre d'heures de marche qu'on a. Hein. Je laisse tomber. On a barre de céréales encore, jus d'orange, on a tout ce qu'il faut, café. Tout va bien. Le moral est bien remonté. Et donc voilà, on va continuer. On est reparti. Toujours en forme. Il est 1h26. On est en train de redescendre du Mont Verdun. On a passé le col. Petit moonwalk de Florian. Il est à fond là. Moi perso, mon moral est remonté. Enfin, c'est bon. On est tous repartis à bloc. Bon, pour vous dire aussi, j'ai vidé le café. Donc là, voilà. Ça va partir. Messieurs, dames, il est 1h37, on est devant un marais, et qui c'est qui voilà ? Petite grenouille. Il y en a une autre là-bas. Poisson rouge. Il y en a une autre là-bas. Ouh, qu'elle est fraîche la salope. Juste ouais, là. J'ai pas envie de mouiller tout mon avant-bras en fait. Et du poisson rouge, et puis il y en a une autre par là, là. Je sais pas où elle est exactement, elle doit être cachée. Enfin bon, voilà quoi. Ah, elle est là. Pas bon, bien sympa. On sait que si jamais on a faim dans une demi-heure, on peut remonter ici. On a grenouille et poisson rouge. Oh, elle fait la morte. Ouais. Ouais. Le crapaud mort. Bon allez, ils dorment. Nous aussi, on va pas tarder. Enfin, on va pas tarder. Nous voilà presque arrivés. On est revenu à Chastel. Alors, pour tout vous expliquer, on était parti pour 35 bornes. On s'est rajouté une boucle de 5 km, soit 40 bornes. Et malheureusement, voilà, c'est bien le mot. Et ben, on s'est retrouvé à un moment se rajouter une boucle sans faire exprès parce qu'on s'est perdu dans la forêt, on a tourné en rond. Au final, on s'est fait rajouter une boucle encore 5 km.
Ce qui nous fait un total d'une rando de 45. Avec, bah, maintenant, vu qu'on a tourné en rond, plus de 1000 mètres de dénivelé positif et négatif. Vos impressions? Jamais crevé. Je fais un meilleur tour. Axel qui est prêt à dormir. Et moi, bah, ça va, moi, c'est les jambes qui. Les jambes bientôt en fait qui vont me laisser. Tu sais, je vais marcher sans jambes au final. Je vais ramper. Allez, le chef a dit go, alors go. Ah oui, aussi, juste pour vous dire quand même, il est 2h42. Voilà. Écoutez, à cette heure-ci, je sais qu'il y en a qui dorment, et bah, il y en a d'autres. Qui marchent. Qui marchent. Gotta keep them separated. Separated. Hey!